Je n'ai pas vu le cadastre déjà pour commencer quand j'ai signé l'acte notarié. Et ensuite, dans la famille, il était dit que c'était juste un tout petit morceau du jardin qui leur appartenait. J'en avais parlé au notaire qui m'avait dit que ça n'a jamais été réclamé, ça ne le sera plus. Donc on a signé les yeux fermés. Sauf que qu'effectivement, quand on a accès au cadastre, on se rend compte que c'est toute la partie qui est devant la maison. Mais comme ça a toujours été occupé par la famille, il y a cette prescription acquisitive qui, normalement, légalement, fait que notre jardin nous appartient. Le jardin, pour nous, a toujours fait partie de l'acte notarié. Parce que la maison, elle a été vendue, revendue à des oncles, des cousins, des frères, des tantes. Enfin, ça a toujours été dans la famille. Le problème, c'est que si on enclave ma maison, elle ne vaut plus rien. Je perds tout. Et c'est un projet de vie. Donc, il est hors de question que je me laisse faire. Comment ils peuvent imaginer mettre un parking devant chez moi et m'enclaver ? Sachant que je n'ai aucune sortie à l'arrière. Comment faire ? Comment faire ? J'en ai les bras qui m'en tombent. Je ne sais pas quoi dire ni quoi en penser. Je trouve ça complètement ridicule et aberrant.